Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. On va donc aujourd'hui déballer un pack de deux projecteurs de la marque OneForu, O-N-F-O-R-U. Ces deux projecteurs sont entièrement accessibles à Google Assistant et à Alexa. On va pouvoir les connecter. Ces deux projecteurs sont IP66. Ce sont des projecteurs hyper puissants de 30 watts. Ces deux projecteurs sont entièrement accessibles iOS et Android. Au niveau de la connectivité, et ce sont donc deux projecteurs Wi-Fi en 2,4 GHz connectables sur l'application Smart Life. On va donc les déballer et voir ensemble comment les connecter. Ces projecteurs sont donc IP66, donc vous allez pouvoir les positionner à l'extérieur et vous allez pouvoir les gérer avec votre iPhone ou votre smartphone sur Android. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner et à liker, partager cette vidéo. C'est parti les amis. Le nom du dernier gagnant qui a gagné donc le bandeau de sommeil est donc Sofiane de Toulouse qui a gagné ce super bandeau Bluetooth. Donc je vais le contacter et lui envoyer ce magnifique bandeau. Alors si comme lui, vous désirez donc gagner des petits cadeaux high-tech, eh bien abonnez-vous à Vision High-Tech. Ça fait toujours plaisir de vous offrir quelques petits cadeaux de temps en temps. C'est vraiment génial. Et pourquoi pas peut-être dans un prochain concours, vous offrir ce pack de deux lots de lumière compatibles Google Assistant et Alexa. Avec ce pack, vous allez pouvoir les installer à l'extérieur. Vous en servir comme lumière d'ambiance à l'intérieur, c'est franchement génial. Allez, bravo à toi Sofiane d'avoir gagné ce petit bandeau connecté en Bluetooth pour iPhone et Android. Et à vous, abonnez-vous. Et pour ce lot de deux projecteurs, bien sûr, vous aurez tous les liens en description. Allez, on passe au déballage, c'est parti. Alors, on est sur une boîte rectangulaire, un beau package avec les différents renseignements à l'arrière de la boîte. On va donc ouvrir cette petite boîte. Et on va découvrir ce qui se passe à l'intérieur, les amis. Le référencement de la chaîne, c'est super important. Donc, vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est ce qui fait avancer la chaîne. Bien entendu, la chaîne existe, mais sans vous, elle n'existerait pas. C'est vous qui la faites vivre. Alors, je compte sur vous vraiment. Abonnez-vous. Dites à tous vos amis, à toute votre famille, de venir s'abonner sur Vision High Tech, ne serait-ce que pour un petit soutien, pour que YouTube arrive à référencer Vision High Tech, car pour l'instant je me suis renseigné auprès de YouTube et rien n'est envisageable au niveau du référencement de Vision High Tech et c'est bien triste. Surtout encouragez vos amis, votre famille à venir s'abonner pour qu'ils puissent venir voir de temps en temps une vidéo. C'est important vraiment car le référencement c'est ce qui personnalise une chaîne et c'est ce qui fait avancer une chaîne. Si il n'y a pas de like, si il n'y a pas de commentaire, si il n'y a pas de vie sur cette chaîne, et bien malheureusement, la chaîne meurt petit à petit. Saute sur roue, allez, on déballe. Alors, on est sur un pack de deux lots. On retire donc les deux projecteurs. Et à l'arrière, on a quelques notices. On va donc tout de suite tomber sur un petit manuel d'utilisation, un petit dépliant tout simplement, pour connecter vos deux projecteurs. Alors c'est un grand dépliant et à l'intérieur on va découvrir, et c'est important, un code QR pour aller télécharger l'application qui va vous permettre de connecter ces deux projecteurs LED IP66 à vos assistants préférés. Vous prenez votre iPhone ou votre smartphone sous Android, vous numérisez ce code et vous téléchargez l'application que l'on va faire tout de suite. Donc je vais tout de suite aller sur mon iPhone. Je vais descendre mon centre de contrôle. Alors si vous avez un iPhone sans bouton Home, pour descendre le centre de contrôle, vous partez sur le haut de votre iPhone et vous faites glisser votre doigt jusqu'à entendre deux petits pocs. Écoutez ça. Centre de contrôle, mode avion, bouton. Une fois que vous avez ouvert votre centre de contrôle, vous glissez, trois doigts du bas vers le haut pour remonter ce centre de contrôle et vous allez chercher scanner de code. Scanner de code que vous lancez tout de suite. Scanner de code. Cherchez un code à scanner. Une fois celui-ci lancé, il va rechercher, vous le balader sur votre document jusqu'à ce qu'il retrouve un code QR. Bouton adresse 10% smartapp.tuya.com. Deux solutions. Soit vous passez par l'application qu'il vous propose, donc Smart Tuya, ou vous pouvez aussi passer
par l'application Smart Life sans problème. Une fois qu'il vous propose l'application à télécharger, vous vous dirigez sur l'App Store et vous pouvez donc télécharger l'application Smart Tuya ou Smart Life. Moi, je l'ai donc déjà téléchargé, on peut donc l'ouvrir. Smart Life, bouton. Une fois que vous avez donc téléchargé l'application, on va regarder de plus près ces projecteurs. C'est parti. On arrive maintenant sur les deux projecteurs qui sont parfaitement bien emballés. Alors attention, puisque ils sont l'un sur l'autre avec une petite protection pour éviter, puisque le devant, c'est quand même du verre pour éviter donc de le casser. Alors bien entendu, ces deux projecteurs ont chacun deux prises de type européenne sans problème, donc entièrement compatible pour la France. Ces deux projecteurs, comme je vous ai déjà dit en début de vidéo, sont IP66, donc complètement imperméables à la pluie, au gel, aux éclaboussures. Vous allez donc pouvoir les installer à l'extérieur. Côté câble, on est donc sur un câble d'à peu près 2 mètres. En bas à gauche, on voit donc que ce sont deux projecteurs d'une capacité de 30 watts. En bas à droite, on vous stipule qu'ils sont bien IP66. Côté épaisseur, on est donc sur des projecteurs, on est à peu près sur du 3 cm d'épaisseur. Donc ce sont des projecteurs très fins. La petite barre d'attache qui va vous permettre de sceller grâce à ce petit trou, de le visser en haut d'un mur par exemple. Grâce à cette barre directionnelle, vous allez donc pouvoir les positionner par exemple sous vos gouttières pour que lorsque vous rentrez chez vous, vous avez donc un halo de lumière qui illumine vos pas. Ces projecteurs bien sûr peuvent être installés à l'intérieur puisque ce sont des projecteurs qui vont avoir la possibilité de fonctionner au son de la musique, qui ont une multitude de couleurs. Ça va être même des projecteurs que vous allez pouvoir mettre pour les fêtes de Noël par exemple, ou pour des fêtes à l'extérieur cet été, si vous aimez donc faire la fête à l'extérieur autour d'une piscine par exemple. Ça peut être vraiment un truc super si vous faites un anniversaire ou autre. Alors ils sont très simples à utiliser, ils sont très légers. On va pouvoir aussi régler le taux de luminosité, ça veut dire qu'on va pouvoir régler l'intensité, la puissance d'éclairage. Allez, on va tout de suite les brancher et on va voir comment les connecter à Smart Life. C'est parti. Alors, les amis, les ingrédients. Il vous faudra donc une prise, un smartphone tournant sous iOS ou Android. Et comme vous pouvez voir, je vais me resservir de cette fameuse prise cube que je vous avais donc présentée sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Vous vous dirigez sur votre smartphone et vous ouvrez Smart Life. Vous allez complètement en haut à droite. Attention, bien vérifier que sur votre smartphone, que vous êtes connecté au Wi-Fi 2,4 GHz. Si vous sentez que vous ne pouvez pas connecter vos objets en 2,4 GHz, c'est que votre réseau n'a pas été partagé en deux, le 2,4 GHz et le 5 GHz. Alors, une fois que vous avez ouvert l'application, vous allez complètement en haut à droite. Smart Lift Home ADD bouton. Sur le petit bouton plus qui se trouve complètement en haut à droite. Ajouter. Qui porte le nom de ajouter un appareil. Une fois validé, vous allez arriver sur cette fenêtre et bien sûr vous allez chercher l'option éclairage. Une fois ceci fait, ce que vous allez faire, vous allez connecter votre projecteur 3 fois d'affilée pour qu'il se mette en mode appairage. C'est à dire qu'il va falloir que vous le connectez, vous le débranchez, vous le connectez, vous le débranchez, vous le connectez 3 fois d'affilée pour qu'il se mette à clignoter comme vous êtes en train de vous apercevoir sur l'image. Une fois ceci fait, vous allez donc prendre le premier choix qui s'appelle source de lumière. Réinitialiser d'abord l'appareil. On vous demande de réinitialiser l'appareil, ce qu'on vient de faire. Effectuer l'appairement réseau comme indiqué. Ici, vérifier que le voyant clignote rapidement. On vous demande de cocher cette case. Vérifier que le voyant clignote rapidement. Une fois que vous avez coché cette case, vous avez un bouton suivant. On vous demande maintenant de l'appairer à votre réseau Wi-Fi. Sélectionnez réseau Wi-Fi 2,4 GHz et entrez le mot de passe. Vous rentrez donc votre code Wi-Fi de votre box. Vous faites suivant et normalement, le projecteur va s'arrêter de clignoter et va être appairé correctement à votre assistant Alexa ou Google Assistant. Amazon Alexa,
Maintenant, votre Flowdictaire GBWC est connecté à Alexa avec la compétence Smart Live. On vient d'entendre que le projecteur a bien été connecté à l'application Alexa. Joue de l'appareil réussi. Et on entend bien que l'ajout de l'appareil a été réussi. Salon, salle à manger, bouton. On vous demande où vous désirez positionner cet appareil. Chambre principale, deuxième chambre, sélectionnée. Donc j'ai sélectionné deuxième chambre et vous pouvez donc aller complètement en haut à droite sur terminer. Terminé, bouton, terminé. L'application est en train de finaliser. On peut voir maintenant que notre projecteur est associé à Smart Live. On peut l'utiliser avec Alexa, on peut l'utiliser avec Google Assistant. Si je fais un double tap posé, on a donc maintenant accès aux possibilités de changement de couleur, comme vous voyez ici sur votre écran. Donc ici, c'est vraiment génial puisque à l'extérieur, vous allez pouvoir vous en servir comme projecteur pour illuminer 2000 feux la devanture de votre maison, par exemple. On a des possibilités de réglage luminosité maxi ou minimiser la luminosité. Ça, c'est plutôt cool pour certaines personnes malvoyantes. Si vous avez mis le projecteur, par exemple, dans votre bureau. On a donc des lumières vertes, rouges, bleues, violet, rose, toutes les lumières de l'arc-en-ciel sont présentes et ça c'est vraiment assez cool. On peut tout simplement en faisant un appui au centre éteindre ou allumer notre projecteur à distance bien sûr. Ces projecteurs vous allez pouvoir les allumer que vous soyez chez vous ou à 2000 km et ça c'est plutôt cool aussi. On peut partir donc sur toutes les couleurs que l'on désire simplement en appuyant dans le cercle. On a du jaune, du vert. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont présentes. On a différentes possibilités de scènes, et ça c'est plutôt cool aussi. On va pouvoir organiser nos projecteurs sous forme de scènes, et ça c'est vraiment cool aussi. Alors vous disposez quand même de deux projecteurs de 30 watts, donc des projecteurs quand même très puissants. Alors si vous allez donc sur l'onglet en bas musique, on vous demande si vous autorisez Smart Live à accéder au micro. L'application peut ne pas s'autoriser. Ok, bouton. Et regardez ici, lorsque je vais... Et regardez ici, lorsque je me mets à parler, alors la lumière va commencer à clignoter et se met à faire différents effets suivant le rythme de la musique ou de votre voix. Ça peut être super cool lors d'une soirée assez sympathique et ça c'est vraiment ultra sympa de voir cette lumière s'illuminer au fur et à mesure par exemple de votre voix ou de la musique qui est en cours de distribution. Plutôt cool, encore une fois, venant de ce projecteur. Voilà les amis pour la présentation de ces projecteurs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo entièrement accessible. N'hésitez pas si vous faites l'acquisition de ces projecteurs, si vous avez un problème pour les connecter. N'hésitez pas à me contacter en section commentaires. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible, bien sûr, avec iPhone, Android, Mac, Windows. Merci d'avoir pris du temps et surtout pensez bien au like, aux petits commentaires sympathiques et au partage pour encourager la chaîne Vision Hightech à monter encore toujours plus haut. Salut à tous!